Et yo les petits potes, c'est vrai que nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez sur le compte niveau 1 les gars. Donc, première épisode les gars, on va continuer, j'ai que rush. Voilà, donc j'ai pour l'instant que 4 légendaires les gars. Voilà, vraiment, donc. Voilà, enfin la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le font. Et on part des trucs de première game les gars. Ok c'est parti contre Guillaume Guy YT de Plus Babylos. Ok. J'ai défendu assez. Alors une chute quand même. Pas ça le tue. C'est pas grave. Niveau 5. Ok, donc là on va aller prendre cette tour assez facilement. Voire même la boule. Mettre l'archer magique, faut en mettre 30. On va mettre le petit. Ok. Mettre le pêcheur. Les dégâts du lobby. Ok, on va mettre 35 squelettes, les gars. Et... je pense qu'on va les prendre cette win, hein, parce qu'il a pas l'air incroyable. Parfait, parfait. Nickel. Et là, on va les mettre d'énormes dommages, les gars. Pour le gang qui va pas servir à grand chose. On va pas défendre le gang. Nickel, parfait. Là, il va mettre sa défense sans. Oh. Oh les gars. Ok, on va attendre un petit peu, on va voir ce qu'il met. S'il met rien, MK, allez. Mettre un biscuit au temple. On va aller chercher cette première win les gars contre qui est YouTube. C'est facile les gars, on a 3000 trophées. C'est assez simple pour l'instant. Mais j'apprécie, j'insure pour l'instant. Donc là, parfait. Sérieux les gars, un épisode 2 les gars. Je vais attendre les 350 abonnés les gars. Il manque 5 abonnés, ok c'est rien. Ok, on tombe sur Alex de Maximo Di Fazio niveau 8 les gars. Donc ça commence à devenir un peu... ça va, tu vois. On va partir en prince tranquillement. Oh putain, ça, ça va être dur. Est-ce que je le tente les gars? Je vais le tenter. On va tenter, on va voir. J'ai mis trop tôt je crois. Ok. Donc la tour du roi, c'est tranquille ça pour l'instant. Si ça va être utile, on va MK là, on va MK tranquillement sur le devant tout simplement. Ok, ok, des recrues, pourquoi pas. Des recrues qui vont se faire éclater. On va mettre la petite armée, ouais, okay. Parfait. Là, on va aller chercher cette première tour, les gars, assez facilement aussi. Ok, la maïtique va se faire éclater aussi. Marché qui gère toutes les boîtes. Donc là, on va partir en prince tranquillement. Ok, on va mettre. Okay, on va mettre le pêcheur ici pour pas prendre la charge du. Bon, du skate géant. Et on va mettre ça. Hop. Bon, le prince qui vend pas la bombe. Hein. Voilà, le but c'est qu'il charge. Voilà, parfait. On va aller juste mettre un petit chasseur les gars pour les jeux, ce baby dragon. Ici. Hop, nickel. On va défendre parfaitement. Là, j'invite à entendre un truc les gars. Je sais pas si ça marche, on va essayer de faire un tour. Ok. Ok, prince, ça se fait dégommer son prince. Tant mieux.
Ok, ok, j'ai un électro. Alors là, sinon, ça me posait quelques soucis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh putain. Putain. Quel bruit. Calme-toi, j'en ai. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu tout ça. Ici, ok. On va faire une plutôt belle défense, hein, je trouve. Il va avoir quelques niveau 3, pourquoi pas, on va mettre un méga chevalier qui a le one shot, presque. Et là, double méga chevalier, et là. Et là, c'est la free win. Oh, dommage. Oh, mon cas qui est connecté, nice. Ok, là, pour mettre ça, et on va aller prendre cette deuxième win de l'air assez facilement aussi. Soit toujours à 3000 trophées, ça, ça n'a pas changé. Ok, on va le récupérer. Barbare de toit artificielle, les gars. Le choix est vite fait. Les petits barbares, les gars. On va aller. Hop. Allez, les gars. C'est le troisième game de la vidéo. Contre un russe. Ok. J'aime voir comment il se débrouille comme ça. Yes. Ok. D'accord. On a ça. Très bien joué de sa part. On va mettre un hunter que j'ai clairement raté en venant. Parfait, en plus on a l'armée squelette. Oh les gars, oh les gars, le coup il est scandaleux. A vous les gars, le coup. Oh ce coup mec, il était scandaleux. Mince. On va mettre le petit pêcheur avec une armée squelette. Et là les gars, je pense pour faire un truc pas trop mal, genre ça, que j'ai raté évidemment parce que le pêcheur l'a poussé. Le bic qui est pas mort évidemment. On va l'activer à tour du roi. C'est pas très utile la créature du roi les gars sur un compte niveau 1, mais je le fais quand même. Au cas où peut-être ça peut me sauver du coup de ballon. Ça suffit pas. Ok. Ça suffit. Il a plus de fuir à barbois. Donc là ce qu'on va pouvoir potentiellement. Une armée squelette comme ceci. Il a plus de fuir à barbois. On a un prince, on va baisser la tour. Je pense que c'est une bonne option. On va défendre sa tour. On va les prendre sa tour puisqu'il a bien les squelettes. Allez, on est ouf. On va mettre un prince en défense. On se trouve pour là, c'est lui. Ok, on va mettre un pêcheur. On va les pêcher le mini-pec. On va mettre le chasseur, tranquille. Ok, parfait. Nickel. Il a un HP, mais cette fois, on va essayer de le protéger. Et partir en counter push. Normalement, il va devoir fuir vers bas. Ok, là, on peut tenter un petit snap de l'archer magique. Donc, il n'y a pas ça à grand chose du coup. J'ai limite envie de tenter un truc, les gars. Parce que j'ai pas le faire. Parce que... Je vais mettre le bob. Ok. Il va nous laisser à tour. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour moi. Ok, il est très con. Heureusement. Ok, les gars, là, on va pouvoir counter pêche. On va mettre un petit counter pêche là. On va mettre un très très beau counter pêche. J'ai au cas où. J'aurais dû mettre l'archer. C'est pas la meilleure option, je pense. Le chien s'est fait éclater. Mettre un MK au corner, les gars. Le MK qui va sauter. Et qui va sûrement aller prendre cette tour dans tous les cas. Alors, c'est pour ça que je vais faire. C'est pas grave, on a quand même un gros avantage. Je vais mettre le petit prince. De toute façon, on est prêt à tourner. Ok, on va Toto.
On va attaquer les gars. On va mettre le pêcheur. Let's go, les gars. Et on va faire des squelettes tranquille. Et là, on va partir. Je propose qu'on fasse ça, les gars. Dommage. Est-ce qu'il va mettre un truc? Non, ok. On va aller défendre ça assez facilement. On va remettre un mineur. Un squelette là. Un chargé là. Après un snipe. Et on va aller prendre sa troisième victoire. Assez compliqué. Il jouait à peu près bien. Genre ça va, tu vois. Il était pas officiel, mais. Ok les gars. On va partir sur cette quatrième game, les gars, de la vidéo. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas qu'il y a un pass les gars, donc n'hésitez pas à mettre un pass de vous. Bon. Voilà. On tombe sur Benjido de Team Savage. On va très bien. Une des meilleures jeux que j'achète. On va faire chier, on va aller snipe cette tour. C'est ce qu'on veut, nous. On va remettre un toto les gars pour aller continuer de snipe l'archer la tour. Et on va lui mettre de très très bons dommages. J'ai mis un mini PK, on va attendre la dernière heure les gars pour notre méga chevalier. Genre comme ça. On prend 0 coup de mini PK. Et là ce que je vous propose de faire les gars c'est de faire une double. C'est-à-dire on va mettre un mineur là et on va mettre une armée squelette. C'est ça une double les gars. Ok, il a l'esprit électrique, donc on fera pas de double malheureusement. C'est pas grave puisque on va quand même la faire. On met un prince là, voilà. Nickel, un très shot. Là on va tout simplement activer la tour du roi les gars. Ok. Attention qu'on passe au courant. Voilà, qui est simplement la tour du roi. Est-ce que je vais réussir? C'est la question qui me pose. Ouais. J'ai pas réussi malheureusement. Merde les gars, je voulais les défendre, j'avais oublié. Oh, ça fait trop mal. J'ai mal éclaté mes deux tours là. On va juste mettre un archer magique YOLO comme ça et vous allez voir que ça va passer. Ça connecte directement et il ne peut rien faire. Et on va aller prendre cette quatrième game très facilement les gars. Il était nul. Honnêtement, il était nul. Ok, on va regarder son profil. Enfin, son clan, en fait, c'est juste que je voulais regarder son clan. Ok, les gars. On a un petit coffre de foot, les gars, ça fait plaisir. Mais ce qu'on veut, nous, moi, je m'en fous. Le but, c'est juste d'avoir des légendaires. Son l'armée squelette, faudra la garder, les gars. Important. Tout ça, on va virer, on va mettre sûrement le zappy, je sais pas quoi, je verrai, prendrai sûrement le deck de WoW les gars, ou avec mes préférences. Je pense, je vais prendre MK cimetière, je pense, pareil ça. Bref, on va ouvrir ce petit coffre les gars. Intéressant, et on va partir sur cette dernière game les gars. J'espère vraiment que le compte niveau 1 les gars vous plaît, puisque, bah moi j'aime bien déjà. Tiens, un cœur ce coup. Je l'aime. Puis voilà. Ok, mettre une armée squelette au pont les gars. Oh putain. Ok, j'ai une bûche en plus. Oh putain, relou. Attends, je vais essayer de sniper un peu la tour du rond. La tour. Parfait. On va voir ce qu'il met. Sinon, je vais le remettre en arrière. Et je n'ai plus l'armée squelette. Et là, c'est la merde. Il y a mute vite le MK s'il vous plaît. Allez. Voilà, nickel le MK qui est posé, mais le sensé qui va aller prendre la tour. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, pas vous mentir. Ok, on va lui mettre une armée squelette sur le sorcier les gars. J'espère qu'il meurt avant qu'il ait un. Ouais nickel. Il zap. Oh putain, il a zapuche là, vraiment. Cette game va être très tendue les gars. Ok. Il n'y a pas de coups malheureusement. On va essayer de partir. Oh putain. On va mettre un chasseur en plus. De toute façon il sait plus one shot les gars le chasseur. Allez, hop.
peux essayer de protéger mon chasseur. Collection pas très utile. Note. Ok, une double bûche. Oh, c'est quoi tout ça? Il est relou. Il est relou, les gars. Disais-le, là, il est relou. Il y avait juste un mesquelette. Normalement, il a plus de bûche, il a plus de zap. Il a plus de sort. Bon. Il a peut-être un zap. On va pas laisser un trou pour moi, on va pas laisser un trou pour moi, on va se défendre. Ouais, alors, là, l'espoir, je vais pas vous mentir, là, je l'ai plus. On va malheureusement faire 3 couronnes, les gars, et on va malheureusement finir une sur une. Je suis vraiment désolé, les gars. Je vais rush de mon côté. Dites-moi d'ailleurs, dites-moi, les gars, si vous voulez que je rush de mon côté et qu'on se retrouve à 4K, les gars, ou alors je rush entièrement avec vous. À vous décider, les gars. Et abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, partage et ciao.